Il est élu de la Tchopa. Le député national Célestin Nguelemba-Bokoué est notre deuxième invité. Bienvenue. Merci, madame. Avec vous, nous allons parler de votre proposition de loi que vous avez déposée dernièrement sur la conservation de la nature en RDC. Qu'est-ce qui a motivé cette démarche? Merci, madame. C'est depuis le bas âge que nous avons vécu dans nos villages, en RDC, où il y a par moments... ce que nous constatons, parce que c'est vraiment la RDC, c'est un pays, comme on dit, un pays solution dans le cadre de l'environnement, dans le cadre de la biodiversité, dans le cadre de la potentialité des ressources naturelles que nous avons dans ce pays. Mais il s'avère que dans nos milieux ruraux, dans ces pays, dans toutes les 26 provinces, nous avons des animaux protégés. Mais ces animaux protégés, dans la vie, dans la coexistence avec l'homme, une fois un animal protégé arrive à tuer quelqu'un, arrive à attaquer quelqu'un, arrive à dévaster un champ, l'État congolais ne sait pas agir. L'État congolais ne fait qu'observer. L'État congolais ne peut pas parler parce que, certainement, dans l'arsenal juridique que nous avons, il n'y a pas quelque chose qui les pousse à agir sur la question. Donc la loi congolaise est muette. Et qu'est-ce que vous vous proposez exactement? Moi, je propose, parce qu'il y a eu un moment où, depuis des années, on a eu une loi numéro 14, une loi 14, la loi 14, c'est la conservation de la nature. Et une loi qui est applaudie, une loi qui nous permet aujourd'hui d'essayer d'amener la bonne gouvernance dans la gestion des ressources naturelles. Une loi que vous estimez a beaucoup de lacunes. Oui, il y a des lacunes. C'est comme ça que nous avons pensé que, étant donné que dans cette loi, et même dans la loi générale, on ne parle pas de ces conflits entre l'homme L'homme et l'animal. et l'animal, nous avons pensé mettre un point pour que nous puissions modifier et compléter cette loi qui est jusque-là bonne, mais nous devons la modifier et la compléter. Mais nous n'avons pas seulement dit se limiter à ça, mais il y a eu des paramètres. Il y a par exemple, dans la gestion des aires protégées que nous avons dans les pays, il est vrai qu'il y a des conflits entre la population et les gestionnaires. Il y a un mécanisme aujourd'hui un mécanisme de la gestion des plaintes. Hein, les plaintes qui Ces opposent. aires protégées qu'il faut signaler qui sont à 72, c'est ça? Oui. Alors, il y a des conflits. Alors, il y a quand même un mécanisme qui, aujourd'hui, on est tenté de mettre ça sur pied pour que nous puissions voir il y a un problème, comment régler. Et autrefois, vers 1970, bien même avant 70, quand on créait les parcs de Virunga, vers 25 et tout ça là, c'est l'État qui s'est imposé. On ne demandait pas l'avis de la communauté. On ne consultait même pas la communauté pour ériger un parc où il n'est protégé. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, avec l'évolution, avec le dynamisme que nous avons pensé aussi que avant d'ériger un parc, avant d'ériger une aire protégée, avant d'ériger un site de conservation, il faut consulter la population. Il faut que le consentement libre de la population soit au préalable aussi récolté, mais pas imposé directement. Non, non, parce que on est population, nous on est l'État, on impose comme on le faisait. Ça aussi, c'est un autre paramètre que nous avons mis dans notre proposition de loi. Et je peux encore vous dire que il y a dans beaucoup de cas, on veut Et mettre. quand on consulte la population et que la population refuse, qu'est-ce qu'on fait Oui, mais ensuite? si la population refuse, la population aussi a le droit de refuser. Là, l'État peut s'imposer. Non, non, mais il peut s'imposer si et seulement si ce projet va donner une garantie de la vie, de la bonne vie de la population. Mais il y a par moment, la population, quand il refuse, cela prouve qu'il y a un problème.
Et puis, il y a aussi par moments où la manière dont on a abordé la chose, la question, n'était pas une bonne manière. Mais j'ose croire que si la population est consultée, ça donne toujours une valeur. Donc, mais il y a aussi un problème des effectifs, des agents, des surveillances de ces aires protégées. Qu'est-ce que vous proposez? Bon, là on n'a pas évoqué. Là, c'est un problème administratif où le ministère de l'Environnement, dans son établissement appelé ICCN, c'est l'ICCN qui doit régler cette affaire-là. Mais je crois que l'ICCN aussi est habité à un problème parce qu'il y a un problème de budget. Normalement, réellement, l'effectif des agents qui protègent le parc des aires protégées est vraiment minime. Il faut doubler et pourquoi pas tripler le nombre de gens. Et aujourd'hui, vous voyez, même dans la partie est, c'est dans les parcs où nous trouvons les rebelles. Parce que certainement, on n'a pas assez d'effectifs qui puissent faire face repousser ça. Donc là aussi, c'est un autre problème, mais c'est un problème administratif où l'État, où l'ICCN et l'État peuvent régler. Mais ici, particulièrement, pour la loi, c'est d'abord régler les conflits entre l'animal et l'homme dans la coexistence et puis amener d'autres paramètres de la conservation pour renforcer la bonne gouvernance. Qu'est-ce que vous proposez en cas de conflit entre l'animal et l'homme? Moi, je propose ceci, madame. Vous savez, je propose d'abord qu'on puisse avoir une caisse de réparation. Cette caisse de réparation permettra que, quand il y a un tel problème, l'État qui est civilement responsable de l'animal puisse réparer les préjudices. Pourquoi? Je vous dis, au Katanga, le Grand Katanga, à Malemankulu, il y a des éléphants qui y arrivent à dévaster les champs. Mais les pauvres paysans, la pauvre paysanne n'a pas, il va aller où? Et l'État va les regarder comment? Ils vont demander quoi? Même si vous allez voir le ministère de l'Environnement, on dit, bon, on n'a pas une ligne où on va donner. L'ICCN va vous dire, je n'ai pas une ligne où je vais prendre l'argent pour te donner. On a tué au Katanga. Il y a eu une dame avec deux enfants. Ils étaient abattus par l'éléphant. Mais c'est parti comme ça. Je vous dis, je prends à la Tuapa, à mon côté, dans les parcs nationaux de Salonga. Il y a eu au moins deux personnes qui sont tuées par les éléphants. Mais c'est parti comme ça. À Boende, il y a l'hippopotame qui a attaqué une personne qui est décédée. On n'a pas parlé. À Bassankoussou, il y a les bonobos. C'est là deux mois. Et même aujourd'hui, il y a un problème. Les bonobos ont tué quelqu'un. Mais alors, l'État est allé encore cautionner la population. Donc, sauvegardant les bonobos. À Luisa, au Kassai, aujourd'hui, on peut compter plus de 200 morts depuis plus de 20 ans où les hippopotames tuent les gens. Mais rien ne s'est fait. À Nouvira, il y a déjà 5 mois où il y a des pêcheurs qui étaient abattus sauvagement par les hippopotames. Au Bas-Congo, ici, il y a des éléphants qui sortent et qui mettent les deux dans les champs et dans les maisons des gens. Personne ne parle. Alors, c'est comme si on est en train de donner plus seulement les animaux une valeur et pas l'homme. Alors, c'est comme ça que l'État, étant donné qu'il est civilement responsable de ces animaux-là, s'il y a quelque chose qui passe, qui arrive, nous avons pensé qu'on puisse avoir une caisse qui est réservée. Seulement, s'il y a un cas comme ça, on arrive à faire la réparation tout en décaissant quelque chose et aider la personne. La famille. L'animal dans tout ça, il n'est pas dressé, il continue. L'animal n'est pas dressé? Il n'est pas dressé dans tout ça. Non, mais les animaux, les animaux sauvages, ils vont être dressés comment? Ils sont dans leur état sauvage. Donc par moment, lui agit de sa façon. Et l'homme se retrouve dans le carré de ces animaux. Oui, c'est comme ça que je parlais qu'il y a une coexistence depuis la nature, depuis la création de la nature. Donc, depuis la création de ce monde, il y a une coexistence. Qui a montré ses limites. Oui, la coexistence a montré ses limites. Et vous voyez un peu, là, je vous dis, vous pouvez demander même à notre chef de la justice. On peut même aller voir les juges Kamuleta. Il va vous dire que, en tout cas, il n'a pas une ligne, il n'a pas une disposition qui lui autorise
de juger quand il y a un cas comme ça. Mais je vous dis, moi j'ai vu dans nos villages, il y a le jeune d'un village, Isenga, qui est abattu par l'éléphant. Et la police passe sans dire mot. Il passe. Le corps est là, mais la police passe. Il ne fait même pas un constat. La police qui a aussi peur, il faut le dire. Oui, mais non, mais il passe sans constat parce qu'il n'est pas aussi autorisé. Mais si un citoyen de ces pays, au Katanga, au Kasaï, en Oriental, ou dans le Grand Équateur, arrive à tuer un léopard, arrive à tuer un éléphant, l'hippopotame, je vous dis, on l'arrête comme braconnier, on l'arrête comme destructeur, et il est directement viré dans la prison. Et par moment, la sentence c'est plus de 10 ans, pourquoi pas dire 20 ans. Je vous dis, il y a des gens qui ont perdu la vie au niveau de Ndolo ici, pourquoi pas dire dans d'autres prisons de ces pays, à cause d'un animal. Donc c'est là, mais pas comme parlementaire, qu'on est injuste. La loi n'est pas juste, la loi est muette. Alors comme parlementaire, on a pensé amener un plus. Honorable Célestin Ngelemba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis très content, merci madame. Votre dernier mot par rapport à cette loi, en deux minutes. Oui, mais je pense que le dernier mot, c'est je souhaite que le bureau de l'Assemblée puisse aligner déjà la question et que ça soit débattu pour que, dans paix des temps, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui ne cesse de penser à la population. Vous avez reçu l'appui d'une organisation pour l'élaboration de cette loi? Non, d'ailleurs, je veux vous dire que c'est une proposition que j'ai faite depuis le mandat passé. Okay. Et puis, c'était déjà programmé. Mais à la fin des comptes, parce qu'on touchait déjà la période électorale, et c'était mis en congélateur, et j'ai repris. Mais certainement, il y a quand même présentement là les organisations de la société civile qui trouvent que la population est de plénicher sur la question. Ils viennent m'accompagner pour que nous puissions aller jusqu'au bout, que le président de la République puisse signer une ordonnance, si certainement l'Assemblée nationale a voté, le Sénat a voté, et qu'il y a une ordonnance qui est prise par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, donnant une solution à la requête, au cri de la population, parce que nous pensons que la population est en avant tout. Je rappelle que vous êtes élu de la Tchouapa, c'est ça? Je suis élu du territoire de Monkoto, dans la province de la Tchouapa, dans le Grand Équateur. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas. L'édition du journal, c'est tout à l'heure avec Nathalie Yoko.